Attends, qu'on se raccorde d'abord. J'ai vécu 7 ans en Suisse, à Clarens, à Morges. N'est-ce pas à Morges que vous avez composé l'histoire du soldat? Oui, en collaboration avec mon très regretté ami Rami. Yeah. At 33, the clarinet part, there's an eighth and a 16th tied together. Do you want them articulated separately? Separately. Separate articulation? Separately. Yeah, separately. Play me, please. No. Da, 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 da. The last note, more staccato. Ra, da, da, ra, da, 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 da. You are commanding the rhythm here. Mm-hmm. So it's very important what you are doing. Yes, sir. Please. Your taram is not short enough. Like 16. Consider like 16 the last note of the measure. Once more. Very good. Et pendant toutes ces années, Stravinsky habitait en Suisse. Il a vécu en Suisse donc pendant toute la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1919 à peu près. Et il a renforcé son aspect russe, l'aspect russe de sa musique, très curieusement. Cette époque, la fin de l'année 1917, fut une des plus dures de ma vie. Profondément abattu par les deuils successifs dont j'avais été frappé, je me trouvais en outre dans une situation matérielle des plus difficiles. La révolution communiste qui venait de triompher en Russie me priva des dernières ressources qui me parvenaient encore de temps en temps de mon pays. Je me trouvais, pour ainsi dire, vis-à-vis de rien, un pays étranger et au beau milieu de la guerre. Dans cette période où il était complètement séparé de la Russie, on dirait qu'il y a eu un retour vers ses racines culturelles. En effet, les deux œuvres théâtrales, car il y en a eu une autre qui s'appelle Renard, qui était plutôt un ballet, une pantomime, est aussi faite d'après des contes russes. Et l'histoire du soldat, elle-même, est prise dans des contes russes. Le sujet de notre pièce m'était fourni par les contes russes du célèbre recueil d'Afanassiev. Notre attention fut surtout attirée par le cycle de légendes ayant trait aux aventures du soldat déserteur et du diable, qui, par ses artifices, arrive infailliblement à lui ravir son âme. Ce qui me séduisait dans ces vers, ce n'est pas autant les anecdotes ventriculantes, ni les images ou les métaphores toujours délicieusement imprévues, que l'enchaînement des mots et des syllabes, ainsi que la cadence qui provoque et qui produit sur notre sensibilité un effet tout proche de celui de la musique. Отпросился солдат в отпуск. Собрался и пошел в поход. Шел, шел. Не видать нигде воды. Чем бы ему сухарики помочить, да на пути на дороге закусить. Entre danger de nazi, un soldat qui rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. A beaucoup marché. Ah,
s'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Il n'y a que celle-là qui a été écrite originalement en français, parce que Ramu l'avait aidé pour écrire l'équivalent français des textes, en particulier de Renard, et donc l'histoire du soldat a été écrite par Ramu, mais sur les indications de Stravinsky. En tout cas, ils ont cherché ensemble les sources de ces contes et ils les ont mis sous une forme théâtrale. C'est à l'occasion de Renard que nous avons commencé à collaborer, et je crois qu'on arrive vraiment à se connaître qu'à l'occasion d'un travail en commun. Et je me rappelle qu'un jour, non sans naïveté, nous nous étions dit, Stravinsky et moi, en gros, pourquoi alors ne pas faire simple? Pourquoi ne pas écrire ensemble une pièce qui puisse se passer d'une grande salle, d'un vaste public? Une pièce dont la musique, par exemple, ne compterait que peu d'instruments et n'aurait que deux ou trois personnages. C'est la première fois qu'il a employé des moyens aussi réduits. On pourrait dire que c'est une sorte de théâtre de la pauvreté. De la pauvreté parce que c'est une pauvreté nécessaire. Jusqu'à présent, ces trois grandes œuvres, L'Oiseau de feu, le Petrouchka et le Sacre du printemps avaient été créés pour les ballets de Diaghilev, pour les ballets russes. Diaghilev s'arrangeait toujours pour trouver tout de même de l'argent et lui avait fourni des conditions à Stravinsky, des conditions qui étaient des conditions très acceptables. C'est pourquoi, du reste, les grands ballets sont écrits pour grand orchestre. Je crois qu'il y a des anecdotes comme ça au théâtre qui sont curieuses. Wagner, au moment où il n'arrivait pas à monter aucun de ses opéras, spécialement le Ring, qui n'était pas encore terminé, il avait un projet de composer une œuvre assez facile et avec peu de chanteurs. Et il avait planifié de créer cette œuvre au Brésil. Et si vous voyez maintenant ce que c'était, il s'agissait de Tristan et Isolde. On ne peut pas dire que, comme œuvre facile, c'était un modèle de ce point de vue-là. Et l'œuvre de Stravinsky, c'est un peu la même chose, parce que c'est un théâtre de la pauvreté, certainement, du point de vue du nombre, mais ce n'est pas un théâtre de la pauvreté du point de vue des moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un orchestre composé ou un petit ensemble composé de musiciens qui peuvent apprendre cette musique très facilement. C'est une musique qui a l'air simple, mais qui, en réalité, est tout de même relativement complexe, comme vous avez pu vous en apercevoir. Ce n'est certainement pas spécialement pour le violon. Ce n'est pas une musique facile, je dirais. Nous nous apercevions un peu tard que la manière la plus pratique de procéder aurait été de travailler à l'intérieur d'un genre consacré, c'est-à-dire d'habitudes, qui sont à la fois celles du public et de ceux qui ont pour métier de le divertir. Qu'innover, même en simplifiant, c'était aussitôt tout compliqué. Alors maintenant, j'en viens à la musique. Et ce théâtre de la pauvreté, en effet, on voit qu'un grand orchestre est réduit à un ensemble de sept musiciens. Un ensemble de sept musiciens qui a pu paraître au départ extrêmement hétéroclite. Mais cependant, c'est très logique. L'influence du jazz, très probablement, et non seulement probablement, mais Stravinsky l'a lui-même reconnu, l'influence du jazz a été très prépondérante dans le choix de ses instruments. En effet, il avait rencontré Ernest Ansermet, le chef d'orchestre, qui, à cette époque, avait rapporté des États-Unis certains enregistrements de jazz. Non pas que Stravinsky, à l'époque, ait entendu des musiciens de jazz jouer en direct, mais il avait entendu des enregistrements. Et il avait probablement aussi lu à ce sujet. Et en tout cas, la disposition des instruments était très proche de ce que les instrumentistes de jazz utilisaient à l'époque. Et on peut le voir, du reste, sur cette image. On a toute la famille qui est représentée. Vous avez les cordes qui sont représentées par les extrêmes. Le violon, qui est le plus, instrument le plus aigu. La contrebasse, qui est l'instrument le plus grave. On a deux instruments de bois, c'est des instruments avant bois, c'est-à-dire la clarinette, qui a un assez grand registre, plutôt tourné vers l'aigu, mais aussi dans le médium. Et le basson, qui a un registre plutôt grave, mais aussi vers le médium. Puis il y a les représentants des cuivres, qui sont la trompette, le cornet exactement. Et le trombone. Et puis, il y a ajouté une importante percussion qui est au fond, ici, qui est donc un instrument très important, beaucoup plus important que tout ce dont on avait l'habitude auparavant.
Autre chose encore me rendait cette idée particulièrement entrayante, c'est l'intérêt que présente pour le spectateur la visibilité de ces instrumentistes ayant chacun à jouer son rôle concertant. Pourquoi ne pas suivre des yeux, des mouvements qui, comme ceux des bras des timbaliers, du violon, du trombone, vous facilitent la perception auditive? Ce sont ces idées qui m'incitèrent à placer mon petit orchestre pour l'histoire du soldat bien en évidence, d'un côté de la scène, tandis que de l'autre côté se trouvait une petite estrade pour le lecteur. Donc c'est une représentation théâtrale qui est en effet un mélange d'acteurs, de récitants et de danse. Il y a le diable, il y a la princesse, il y a le soldat, qui sont les trois principaux protagonistes, et il y a le récitant. Mais il ne faut pas croire que le diable, par exemple, dit toutes les paroles du diable ou que le soldat dit toutes les paroles du soldat. Non, les rôles s'interchangent. De cette façon, le récitant dit aussi les paroles soit du soldat, soit du diable. Le récitant parle sur la musique sans que ça soit rythmé, sans qu'il y ait coïncidence. Et puis, souvent, le récitant parle tout seul, sans musique. Disons que c'est, pour un acteur, c'est un tout petit peu un travail assez particulier. Il n'y a pas d'incarnation. On n'est pas le soldat, on n'est pas le diable, on n'est pas le, la princesse. On le raconte sur un mode de récit, comme si on parlait « il » à la troisième personne du singulier. Et je trouve que l'effort de projection donne un style épique au jeu qui me paraît convenir à la pièce. Quoi. C'est certainement, c'est pourquoi moi je pensais justement au théâtre japonais. Vous avez vu certainement le théâtre Bunraku, quand il y a le récitant sur le côté avec les marionnettes au centre du théâtre, et c'est un peu le même genre de choses. C'est-à-dire quand le récitant est porté et devient un personnage, vous voyez, en effet, épique, tout à fait en dehors, disons, de la représentation théâtrale banale. Vous dites le texte par moment, le texte du soldat, quand le soldat joue. Et vous dites le texte du diable, quand le diable joue. Et par moment, le soldat ou le diable reprennent la parole. Et c'est ça, je crois que c'est une chose très intéressante dans cette conception que Stravinsky a eu du théâtre, certainement aidé du reste par Rameau. Cher, prenez toute votre musique samedi prochain. C'est seulement en la jouant que nous verrons clairement l'ensemble. Et puis, en réfléchissant, je vois quel est le grand excitant des acteurs et qu'elle les aide à comprendre leur rôle. Pendant que j'y pense, ne croyez-vous pas qu'il serait bon d'essayer de faire dire le monologue du diable devant le rideau, pendant la marche royale? Je pense à l'ensemble et je vois que la musique et le texte sont quand même un peu trop uniformément successifs. Là, dans la marche du soldat, par exemple, la scansion du texte est écrite toujours à la même hauteur de portée. Est-ce que ça signifie que dans la rythmique d'ensemble du morceau, la voix humaine, il est nécessaire de l'entendre toujours à même hauteur? Ou est-ce que c'est une convention d'écriture qui permettrait de faire voyager la voix à différentes hauteurs sans trahir la rythmique écrite et notée? Mais ici, je pense qu'il faut se donner la liberté de l'intonation qu'on veut donner, que l'intention du texte vous suggère, et en même temps respecter le rythme. Du reste, on peut le faire. Entre danger de Neuzy, un soldat qui rentre chez lui. De congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. Oui, je trouve que c'est une diction qui est donc intégrée au texte musical, mais c'est beaucoup mieux parce qu'autrement ça fait comme un écolier qui récite « Ah, marcher depuis longtemps », et ça n'est pas du tout intéressant. Et je pense que
On doit garder toutes les qualités de l'acteur, simplement discipliné par son contact avec la musique. Mais je pense aussi qu'il y a un autre passage, et peut-être on pourrait l'entendre, c'est le passage où vous dites, mademoiselle, à présent on peut le dire. Bien sûr, je vous donne un signal de départ, parce que la parole doit commencer à un certain moment dans la musique, c'est dans le petit concert, mais après ça, vous êtes complètement libre. Et ça correspond à la musique, mais il n'y a pas du tout de coïncidence rythmique. La présence d'un acteur et de la voix d'un acteur est très difficile à faire passer sur un groupe instrumental. Par exemple, une soprano ou un ténor, cet instrument, pour lui, ou six instruments, c'est rien du tout. Hein, parce qu'il a une sorte d'émission vocale qui fait que ça domine automatiquement. Tandis qu'une voix parlée, déjà six instruments, ça pose un problème. Et il y a des questions d'équilibre. Et c'est pour ça que la seule difficulté dans l'histoire du soldat, quand ce n'est pas rythmique, c'est qu'on entend le texte et que l'émission vocale de l'acteur soit prédominante par rapport à la musique. On va voir du reste tout de suite ceci. D'ailleurs, prenons le chiffre 21. Mademoiselle, à présent, on peut le dire, sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller chez vous parce qu'à présent, on peut tout. On va venir, on va oser parce qu'on s'est retrouvé. On va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort, on va vous tirer de la mort. Vous voyez, la différence est très grande. Vous êtes obligé, je le remarque, vous êtes obligé de forcer. Là, vous êtes naturellement dans une situation à la fois privilégiée et non privilégiée. Privilégiée parce que vous avez un microphone, et donc on peut toujours, à la prise de son, disons, balancer votre voix avec les instruments. Mais dans un théâtre, il y a deux ou trois passages dans l'histoire du soldat où l'acteur est obligé vraiment de forcer sa voix pour passer au-dessus. C'est toujours le problème d'un acteur avec des musiciens. Il ne s'agit pas d'une pièce, il s'agit, comme le titre l'indique, d'une histoire. On n'y trouvera ici aucune intrigue, au sens dramatique du mot. Cette histoire étant néanmoins destinée à être jouée, on s'est préoccupé de lui assurer d'autres façons, en effet de profondeur, dont la scène ne peut se passer. Toutes les fois qu'il y a un vide dans le texte, c'est pour permettre à la musique de venir en avant. Le texte et la musique se meuvent au travers l'un de l'autre, par des avancements et des reculs successifs. L'histoire du soldat, c'est une variation sur la légende de Faust. Un soldat revenant de guerre se soumet à l'influence du diable. Au centre du plateau, une petite scène montée sur des tréteaux, de part et d'autre, des avancements, occupés à gauche par le lecteur, devant une petite table garnie d'une chopine de vin blanc et d'un verre, à droite par l'orchestre. Dans la scène 1 de la première partie, intitulée « Au bord du ruisseau », le soldat marche vers son village. Il est abordé par le diable, déguisé en vieil homme. Il réussit à échanger le violon du soldat contre un livre magique et il l'entraîne avec lui pendant 3 jours. Pendant la deuxième scène, la scène du sac, le soldat apprend que ces 3 journées ont duré 3 ans. Le diable, déguisé alors en marchand de bétail, convainc le soldat qu'il peut faire fortune grâce au livre magique. À la scène du livre, la scène 3, le soldat, devenu riche, veut racheter son violon au diable, qui s'est présenté cette fois sous l'apparence d'une vieille femme. Le soldat n'arrive plus à jouer de son instrument. Et de rage, il déchire le livre magique. Dans la deuxième partie, à la scène 4, celle du jeu de cartes, le soldat, ruiné, entre dans un village où la fille du roi est malade. Il joue aux cartes avec le diable, déguisé en virtuose, perd, mais récupère son violon après avoir fait boire le diable. À la scène 5, la princesse guérit sous le charme du violon, danse un tango, un ragtime, une valse. La musique du violon terrasse le diable. À la dernière scène,
Le soldat et la princesse, mariés depuis peu, entreprennent le voyage qui doit les conduire au village natal du soldat. Mais dès la frontière franchie, le soldat retombe sous les pouvoirs du diable qui l'entraîne définitivement. C'est un violon que le diable achète au soldat et quand il veut lui rendre, il achète son âme. Et donc c'est une sorte d'allégorie qu'on peut prendre du reste comme une allégorie beaucoup plus sur l'art que sur autre chose. Et le violon a un rôle très important. Je pense que le style de violon aussi était très différent du style adopté à l'époque. C'est un style, disons, populaire, ou en tout cas pseudo-populaire, mais ce n'est pas du tout le violon romantique, c'est-à-dire le violon comme on l'utilisait à l'époque, le violon de Brahms. Mais c'est un violon, au contraire, qui se rapproche des traditions populaires, et en particulier du violon de l'Europe de l'Est. Et je crois que pour jouer cette œuvre, ce n'est pas seulement une question de doigté ou de différence d'accord ou de vocabulaire, mais c'est aussi, je crois, une différence de style. On dirait que le petit concert pourrait être écrit par moments par une sorte de Bartok aussi. On a, quand Bartok emprunte au folklore hongrois ou roumain ou bulgare, c'est-à-dire tout le folklore de l'Europe de l'Est, eh bien, ce qu'il écrit à ce moment-là est très proche de ce petit concert de Stravinsky. C'est en cela qu'on peut lier les deux compositeurs. Mademoiselle, à présent, on peut le dire, sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous parce qu'à présent, on peut tout. On va venir, on va oser parce qu'on s'est retrouvé. On va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort, on va vous tirer de la mort. Hélas, la pièce une fois écrite, et elle fut rapidement écrite, nous étions aperçus que les difficultés ne faisaient que commencer. L'histoire du soldat existait bien, encore fallait-il qu'elle fût jouée, puisqu'elle n'était faite que pour être jouée. Il n'y avait pas d'institution qui pouvait procéder à la création de cette œuvre, et donc ils étaient obligés de faire appel à des musiciens qui sont venus en effet de tous les coins. On a pris des musiciens à Zurich, on a pris des musiciens à Genève, on a pris des musiciens un peu dans toutes les villes de Suisse.
Et en plus de ça, il a fallu trouver l'argent pour faire des décors, tout ce que vous pouvez imaginer dans le concept théâtral. Mais pour cela, il fallait avoir des fonds. Et il nous manquait totalement. Alors on se mit en quête d'un mécène ou d'un groupe de gens susceptibles de s'intéresser à notre affaire. Hélas, ce n'était pas chose facile. Chaque fois, nous nous heurtions à des refus pas toujours polis, mais toujours catégoriques. Finalement, nous eûmes la grande chance de tomber sur quelqu'un qui non seulement nous promit de réunir les sommes dont nous avions besoin, mais qui prit à cœur notre projet et nous témoigna une chaleureuse et encourageante sympathie. Ce fut M. Werner Reinhardt de Winterthur. J'aimerais aussi vous faire voir comment il a utilisé les danses d'époque. Alors, il y a à un moment donné la princesse qui danse, trois danses, et la première est un tango pour une combinaison tout à fait inusitée à l'époque, il faut dire violon et percussion. Tout le monde a dans l'oreille un tango, eh bien, voilà ce que Stravinsky en fait. Il faut se reporter à l'époque du tango de 1918 aussi, ce n'est pas le tango d'aujourd'hui. Ça, c'est le tango. Alors, la valse, bien sûr, on va se retrouver en paysage de connaissances. Et ça, on a eu déjà le modèle dans Petrushka. Certainement, on peut reconnaître cette sorte de réminiscence. Et du reste, dans les pièces aussi, dans les pièces faciles pour les enfants, pour les pianos à quatre mains, qu'il a écrit à l'époque, c'est exactement le même type de style. On prend la valse. C'est juste le début de la valse. Oui, on reconnaît évidemment la parodie parce qu'il y a les fausses basses, les basses qui sont à côté, les basses qui sont décalées, et puis ce petit violon qui joue d'un son aigre, un petit air aigrelet au-dessus de tout ça. La troisième danse, c'est le ragtime. Alors là, le ragtime, c'est un peu un cas différent et à la fois du tango et à la fois de la valse. C'est-à-dire qu'il part d'un véritable ragtime de l'époque. C'est très facile à reconnaître avec ses rythmes pointés. Et puis, à un moment donné, il décolle complètement et il fait à partir de cela vraiment du Stravinsky. Et que ce soit un ragtime ou non, on ne voit pas bien la liaison. Et puis, il replonge dans le ragtime à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant de voir, comment il utilise certains éléments pour en faire quelque chose de tout à fait personnel. Thank you.
Voilà, je pense aussi qu'il y a, à la fin, on a parlé beaucoup de musique populaire, c'est évident qu'il y en a beaucoup plus que d'autres musiques, mais il a aussi, à un moment donné, quand le thème devient vraiment très sérieux, il utilise alors une musique savante, une musique qui a été de tradition dans la musique occidentale, c'est-à-dire il prend un choral. Et à un moment donné, les réflexions du récitant sont ponctuées par le choral. Mais c'est un choral, évidemment, c'est un choral aussi qui est truqué, si je peux dire. C'est pas du tout un choral comme Bach en aurait pu écrire un, mais c'est un choral où les relations sont un peu, je dirais, popularisées. C'est-à-dire, c'est comme un choral qui est joué par une sorte de fanfare ou d'harmonie qui n'a pas beaucoup une notion de l'harmonie, précisément. Et c'est un trucage qui est très, très habile et qui fait qu'on réintègre une sorte de tradition, mais alors là, qui n'est plus du tout populaire, une tradition savante, mais qui est popularisée. Alors, je voudrais jouer les quelques phrases de ce choral, du grand choral. Comme on voit, c'est quelque chose d'assez curieux, même parce que c'est à cheval sur deux choses, c'est lui. Et elles ont entraîné chez moi toujours le même type de réaction. J'ai vu là une certaine forme du futur de Stravinsky qui est inclue dans une musique qui, au fond, n'est pas porteuse de cela, mais qui, finalement, rappelle formidablement certaines musiques qu'il écrira beaucoup plus tard. Oui, on dirait aussi que Stravinsky a utilisé un peu toutes les recettes de ses voyages. Il voyageait beaucoup à l'époque avec les ballets russes. Et en particulier, il a fait des voyages, bien sûr, en Italie, dans toute l'Europe, mais aussi en Espagne. Et en Espagne, on dirait qu'il a envoyé une carte de visite, et il a envoyé plusieurs cartes de visite même. Il y a une étude en particulier pour pianola qu'il a transcrite après pour orchestre qui s'appelle Madrid. Et il y a la marche royale dans l'histoire du soldat, qui est un pasodoble, tout simplement, comme les pasodobles qu'on entend dans les orchestres de foire espagnols. Voilà ce qu'est la marche royale, en fait. Oui, ça, on voit donc que c'est tout à fait le style du pasodoble. Maintenant, on peut dire, alors, il n'y a pas de Stravinsky du tout là-dedans. Eh bien, si, il y en a quand même. Il y en a du pur Stravinsky, alors, qui ne se réfère absolument à rien d'autre qu'à lui. Et personnellement, je me souviens, quand j'avais découvert cette partition, une des pages qui m'a le plus frappé, c'est peut-être pas du tout la page la plus spectaculaire, et même, c'est pas une page spectaculaire du tout, mais c'est une page qui est très sensible dans la musique de Stravinsky de l'époque. Il a en effet eu une prédilection pour la clarinette. Et la clarinette qu'il avait déjà utilisée, bien sûr, dans Le Sacre du Printemps, mais aussi dans toutes les petites œuvres de l'époque. On trouve, par exemple, Les Berceuses du Chat, qui sont pour voix et trois clarinettes, dans les chansons qui s'appellent Privatki. Et il a écrit aussi des pièces pour clarinette seule. Tu es témoin, Alain, que ce sont les pièces qui sont probablement les plus jouées du répertoire pour clarinette seule, les pièces de Stravinsky. Ah oui, absolument. Et la technique de l'instrument a été beaucoup élargie, la façon de s'en servir aussi et la façon de se servir des registres. C'est surtout parfaitement écrit pour l'instrument, pour le timbre et la vélocité, et je dirais la force de dynamique de la clarinette. Ça, c'est une force d'écriture
extraordinaire. Il a donné un style tout à fait particulier à la clarinette. Enfin, il y a la clarinette, disons, de Weber, par exemple, qui a aussi un style, trouvé un style très, très, très caractéristique de la clarinette. Et je crois que la clarinette du début du XXe siècle est la clarinette de Stravinsky. Et il nous oblige aussi à penser l'instrument d'une autre façon, dans le son, la sonorité, les accents. Oui. Tout à fait différent de Weber. Voilà donc le début de la musique de la deuxième scène, qui, dans la partition finale, du reste, est intitulée « Pastorale ». Je pense qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus personnel dans la partition, et dans cette scène, on reconnaît immédiatement le style de Stravinsky, et c'est un de ses passages, je dirais, les plus frappants de toute cette partition, parce que là, il n'est pas question d'imiter, de prendre un objet quelconque, un objet stylistique, je dirais, quelconque, mais là, il est proprement lui. Now the Royal March. March Royale. 60. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Symbols. The symbol hangs over into 18. In the end. I don't know what to do. Bois. It's written bois. Did you play with the wood? How do you play it? No. That's the reason. Can you play with the wood? Touching it, you know. Yeah, even sharper.
You, this way. Not this way, but this way. Yeah. And not very strong. And not very strong. It's enough. We will hear it. If you keep with the fingers, it will be better. Yeah, play me 20, please. Everybody, 20. And with the gross case, yeah, the big drum. Much better. Now you can play a little much bit harder. More. You can play more, but you hold it with the fingers. If the fingers are not there, there will be noise. I know it's not so easy. It's also a bit too long. Keep it shorter. No, the stick. The stick shorter, yeah. Well, it's easier to hold it when I get the weight like that, maestro. That is, the weight of the stick, if it overbalances up. Yeah, if you want. I mean... your personal feeling. Like, yeah. I'm running out of fingers. But, try to get a little bit more sound. Yeah, good. But hold it always. Hold it, otherwise you are lost. No, not this way. No, it was better. This way, yeah. 20. Après de nombreuses répétitions de tout genre, acteurs, musiciens, danse de la princesse que je réglais avec Madame Pitoev, nous arrivâmes enfin au moment si ardemment désiré par nous de la première représentation qui eut lieu. La première de l'histoire du soldat est fixée au samedi 28 septembre, 8h30. La location sera ouverte le lundi 23, dès 9h du matin, au bureau du théâtre. Monsieur Gabriel Rosset jouera le rôle du soldat, Jean Villard le rôle du diable. Partie jouée. La partie dansée du même rôle a été confiée à Monsieur Georges Pitoev. Madame Ludmilla Pitoev dansera le rôle de la fille du roi. L'orchestre sera sous la direction de Monsieur Ernest Ansermet. Le lecteur sera Monsieur Élie Gagnebin, chargé de cours de paléontologie à l'université. Il était d'autre part entendu que la troupe, se trouvant ainsi constituée, musiciens y compris, d'autres représentations auraient lieu dans d'autres villes. Les salles y étaient retenues, des affiches y avaient même été placardées. Il y eut d'abord la grippe, cette fameuse grippe espagnole. Et du même coup, plus de musiciens, plus d'acteurs, plus d'ouvreuses, plus de machinistes, plus de théâtre. Il y eut ensuite l'armistice. Il y eut dans le pays même la grève des chemins de fer. Il y eut tout autour de ce petit pays une débauche de révolution, un extraordinaire déchaînement de désordre de toute espèce. Et c'est ainsi que notre roulotte n'a jamais roulé sur ses propres roues. Je crois qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'imitations. Et tout de même, ça a engendré aussi toute cette musique d'après-guerre, d'après l'autre guerre, qui a été aux sources, disons, populaires, ou en tout cas, non pas populaires, peut-être aux racines populaires comme les racines paysannes, mais de la musique de divertissement. L'histoire du soldat a eu un très grand succès en Allemagne et on peut voir que les œuvres que Schönberg a composées à Berlin dans les années, fin des années 20, début des années 30, ont cette influence de la musique de danse de l'époque, mais seulement, disons, transfigurée par un type d'écriture qui n'est pas courant dans la musique de danse habituelle. Et de même que Berg, dans Loulou, a aussi utilisé des thèmes populaires et des formes populaires, en particulier aussi le tango dans Loulou, et qui était une danse d'époque, relativement nouvelle pour l'époque, et il a utilisé ça, mais pas du tout dans le même style, je dirais, ou la même transcription que Stravinsky. Une certaine partie de la musique de Hindemith des années 20 est sortie complètement de là. Kurt Weill est sortie aussi de l'histoire du soldat. Je veux dire, si, il y a quand même une sorte de descendance. Et en France, disons, les Poulains, Coric, etc., ont suivi aussi, ont été extrêmement sous l'influence de Stravinsky. Mais on peut voir qu'aucune de ses œuvres n'est au niveau de l'original.
Pourquoi? Je pense parce que Stravinsky est celui qui a su le mieux assimiler ce genre d'influence et en a fait des objets personnels. Il a pris, par exemple, le thème de la marche militaire. Eh bien, une marche, effectivement, c'est une marche qui est un peu bancale parce que c'est toi qui t'en aperçois le plus, étant donné que tu joues à un rythme absolument imperturbable et que là-dessus, au contraire, les autres musiciens jouent des rythmes qui sont irréguliers. C'est-à-dire que son principe d'avoir le rythme de marche est décalé par rapport à une vie rythmique beaucoup plus flexible. Et c'est en cela que c'est un objet qui est vraiment Stravinsky. Il y a vraiment, je pense, œuvre originale. La musique doit être transmise et non pas interprétée. L'interprétation révélant plutôt la personnalité de l'interprète que celle de l'auteur. La valeur de l'exécutant se mesure précisément à sa faculté de voir ce qui, en fait, se trouvait dans la partition et non pas, certes, à son obstination d'y chercher ce qu'il voudrait qu'il y fût. C'est là la plus grande et la plus précieuse qualité d'Ansermet. Tout le spectacle fut une véritable réussite. Par son unité, le sommier de l'exécution, la mise au point parfaite et la justesse du ton. L'histoire du soldat devait être une affaire et une bonne affaire. Elle n'a jamais été une bonne affaire, ni même une affaire tout court. Son mérite, s'il en a un, est qu'elle n'a pas eu pour point de départ des préoccupations esthétiques, qu'elle n'a pas cherché à être l'expression d'une doctrine, qu'elle n'a rien de manifeste, qu'elle doit tout à l'occasion. C'est qu'on a battu le tambour et on a battu le tambour à cause de la fille du roi qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça qu'il donnera la fille au roi, à celui qui la guérira. À ce moment, entre un homme qui a dit à Joseph, « Salut, toi, quand même on se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat, c'est pourquoi je t'appelle collègue. » Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit, « Allons lui parler, il n'a pas l'air tant content. » Je me suis dit, « Essayons, il sait pas que faire, c'est peut-être pour lui une bonne occasion, qu'en penses-tu ?» La fille du roi, ça vaut la peine d'essayer, rien n'empêche qu'elle soit à toi, parce que moi, vois-tu, moi,
Je suis déjà marié, mais toi, tu as ta liberté. Tu essayes, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Le roi te laisse rentrer, médecin, c'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Pourquoi pas après tout, hein? Au revoir, collègue. Et merci du renseignement. Il se lève dans le même instant. Il se lève, il sort, il s'en va. À l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va. Où je vais chez le roi.